Vous êtes devant le dôme Saint-Benoît, ancienne chapelle des religieuses bénédictines, venue s'installer ici, chassée de la ville-Dieu en 1601. Sa coupole octogonale a été construite au XVIIIe siècle par l'architecte Laidier d'Avignon et financée par le seigneur Samson du Roure, dont la fille était la prieure du couvent. La petite fille de Madame Sévigné, Blanche de Grignan, y fut éduquée. Désaffectée à la Révolution, l'église a servi de halle aux grains avant d'être utilisée au XIXe siècle comme entrepôt pour le matériel d'incendie de la ville. Classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1944, elle abrite aujourd'hui de nombreux objets religieux ainsi que le monumental mausolée du maréchal et de la maréchale d'Ornano. La tête en marbre du maréchal ayant disparu, une légende raconte qu'elle serait dissimulée dans les murs de la ville. Si vous la trouvez, une récompense vous sera offerte.